Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur MotoGP 15 pour notre 14e Grand Prix de notre carrière en Moto2. Donc on est actuellement 5e au championnat avec 169 points. Donc au dernier Grand Prix à Misano, on est arrivé 7e après une petite chute. Donc on va essayer de renouer avec la victoire en allant directement au Motorland de Aragon, donc en Espagne. On va essayer d'arriver premier. J'ai bien dit essayer. Après, est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas encore. Donc alors, petite information. Donc la vidéo, comment elle s'appelle? La vidéo Moment Famille risque de sortir la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, mais la semaine prochaine, peut-être mercredi ou samedi, je ne sais pas encore. Ça fait deux fois que je le dis. Et aussi, ce week-end, une vidéo qui sortira pour vous parler un petit peu d'un événement qui va se passer dans quelques jours. Je vais vous parler de tout ça, petite surprise, après à voir, voilà, donc après, voilà, ça va peut-être faire des euros, peut-être pas, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à la place de vous, donc alors on va appliquer nos petits réglages pour pouvoir avoir une moto un petit peu plus compétitive, hein. On va essayer, du moins, donc là on va rejoindre notre petit circuit, alors par contre, il y a un virage que je déteste sur ce circuit, enfin il y en a deux, déjà, on va le passer après la ligne d'arrivée. C'est le premier virage à gauche. Alors celui-là, je le déteste. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un style un peu bourrin. Et en fait, ce style bourrin, il convient pas à ce virage-là, en fait. Parce que, je sais pas, la piste, le fait que les bourrins ne peuvent pas bien rentrer là-dedans. Donc, en espérant que là, ça puisse passer. Voilà, donc là, je galère déjà un petit peu. Bon, c'est passé au calme. Bon, après, il y a un virage après que j'aime pas trop. C'est le virage. On n'y est pas encore, on est un petit peu loin. Mais il y a des virages comme ça sur des circuits qui me plaisent pas. Mais j'aime bien le circuit, mais c'est les virages. Il me casse un petit peu l'arthrite. Ça me plaît pas du tout. Ça, c'est... Alors là, on s'est déjà pris une pénalité. Ça, c'est déjà cool. Hein, c'est. Les pénalités, si tu obtiens pas une pénalité dans MotoGP, c'est que t'es un petit peu nul, hein. Non, je colle. Non, je ne sais même pas pourquoi je me prends des pénalités en ce moment, c'est... Je ne sais pas du tout. Tiens, voilà, c'est ce petit virage-là qui me saoule aussi. Voilà. Souvent, je me croûte dans celui-là. Enfin, en fait, il y en a trois. J'avais dit qu'il y en avait deux, mais finalement, il y en a trois. Donc, le premier qui va à gauche, celui qui vient de passer, puis celui qui va arriver. Alors, celui-là... Une espèce de petite descente, hein. C'est vraiment une descente minuscule, et quand je freine, moi, vu que je suis un petit peu bourrin sur les freins, ben voilà, souvent je me croûte ici, mais là, ça va s'est passé, j'ai un petit peu élargi, mais ça va, allez, c'est parti. Alors, j'ai une petite information à vous dire, je ne sais pas si certains vont me croire ou certains ne vont pas me croire, mais je pense que la plupart vont me croire, quand je suis en vidéo, j'ai un style complètement différent quand je suis pas en vidéo. Voilà. En fait, si vous voulez, je pilote largement mieux quand je ne suis pas en vidéo. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est dû au stress, en fait. J'ai un style plus soft, en fait. Plus cool. Et du coup, ça fait que je me croûte pratiquement pas. Alors que là, en vidéo, je sais pas, je suis trop agressif. Et je rappuie trop sur les gaz, en fait. Donc en fait, du coup, voilà quoi. Ah, la technique des rétroviseurs, il connaît pas lui. Randy Krenemanacher. Je connais pas son nom. J'ai jamais su prononcer ce nom. Randy Krenemanacher. On va prononcer ça comme ça. Ce sera plus simple. Krenemanacher. Bon alors là, on attaque notre deuxième tour sur ce circuit du Motorland Aragon. Alors là, je pense faire la pole. Bon là, je suis pas parti pour, hein, parce que je suis un peu dans le orange, mais ne vous inquiétez pas, hein, j'ai rattrapé un petit peu tout ça. Allez. Je vais essayer de piloter comme quand je pilote, quand je suis pas en vidéo. On va essayer, on va voir si j'y arrive.
ça a l'air de fonctionner. Certains vont me dire qu'il n'y a pas de différence, mais si, vous allez voir. Allez, on attaque cette petite ligne droite assez sympathique, hein, où on va essayer d'atteindre les 290 km/h en pointe, bien sûr, hein, parce que sinon c'est pas... à quoi. Ok, je vais me taper une petite barre, là. Ouah, c'est quoi ce temps de malade de merde que je viens de faire? Aigerter, qui lui, d'ailleurs, a fini, ça y est, il fera pas la fin de saison, à cause de sa petite chute, tiens, justement, sur ce circuit-là. Il s'est croûté, je sais plus ce qu'il a, il a des vertèbres cassées, il a un tas de trucs, c'est un Playmobil maintenant. Enfin, un Lego plutôt, parce qu'un Playmobil, ça peut pas vraiment se casser. Enfin, faut le faire quand même, quand c'est un Playmobil. Hein. Enfin, si vous voulez, hein, on peut en parler, tu vois, je suis expert Playmobil. Hein, donc... Bon, par contre là, j'aime pas monter sur ce vibreur là, je sais pas pourquoi je monte d'ailleurs. Là. Allez. Ah, j'ai perdu du sang. On va essayer de rattraper ce temps-là, perdu, parce que là, c'est pas cool. Allez, allez, allez. Ah, j'ai perdu vraiment du temps, là. Allez. Ah, c'était chaud. Ah, donc c'est... On va faire un petit troisième tour comme ça, pour le fun. Je deviens un petit peu plus agressif là. Hein. Ah, la moto est partie en couille là. Elle a dit nope. Allez. Ah, je suis sorti un petit peu là, demain. J'ai dû un petit peu récupérer, je pense, ou j'ai un peu perdu. Je sais pas, on va voir. Ah, j'ai récupéré, c'est bon. On est dans les temps là, c'est bon. C'est bon, les deuxièmes. Quelle belle caméra libre. Une petite photo des familles, comme vous connaissez d'habitude. Maintenant, vous connaissez la petite photo des familles, ça y est. Allez, on va prendre une petite photo comme ça, tiens. Ça peut être pas mal. Allez, après, on va retourner au stand, hein, on va un petit peu voir si notre temps se dégrade. Alors là, vraiment, j'ai dû bien bouffer. Ah non, même pas. Étonnant, on s'est pas bouffé. Oula, petit bug, petit bug, petit bug. Alors, voyons, voyons. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je descends?
Je vais peut-être partir troisième. Ah, je vais partir quatrième. Ah, je vais partir cinquième. Je pars cinquième. On part cinquième. Bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein. On part cinquième. On va pas se plaindre. C'est une très C'est la belle fin des... place, cinquième. On passe bientôt au niveau 63. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner niveau course, hein, en espérant qu'on va terminer dans le top 3, sur le podium en gros, pour pouvoir remonter un petit peu au classement général. Hein. Ce serait Bienvenue sur le... plutôt pas mal en plus. Tiens, on est sur une piste presque mouillée. J'aime pas ça. On va voir ça si on va voir si c'est mouillé ou pas en appliquant nos réglages. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Est-ce que c'est bon, c'est pas mouillé. Tant mieux, c'est juste nuageux. Heureusement. Merci le temps. Heureusement que c'est nuageux. Alors, qui y a-t-il en première ligne? Donc, Zarco, Lowe's, Rabat, Rins, Magic, Folger, Morbidelli, Simeon, Lutti. Voilà, j'ai dit ces trois premières lignes-là. Maintenant, on va passer à la course. Allez. Ouais, ça, on dirait qu'il va tout pleuvoir. Heureusement que c'est juste nuageux. On dirait qu'il y a du brouillard, c'est déstabilisant. Bah, faut le gars, par contre, tu vas pas t'y mettre, toi. Il rentre dans le virage, non, j'ai pas doublé Rins. J'ai failli perdre l'avant. De la chance. Bon, je m'aventure pas à très grande vitesse dans ce virage-là, j'aime pas trop. Comme j'ai déjà dit, je dois faire rentrer doucement, perdre un peu de terrain et puis les rattraper juste après. Là, j'ai me fail au virage, non? Un petit peu. On va me doubler là. Non, c'est bon. Oula, Fogger va se calmer s'il vous plaît. On va essayer de rattraper ces petits mecs là, on est rentré dans le deuxième tour là. On va essayer de gagner. Ce serait plutôt pas mal parce que là, on est actuellement cinquième. Bon, c'est pas une place non plus dégueulasse, mais voilà, j'aimerais même faire mieux. On va essayer. Ah, on va vous dire ça. Pour l'instant, on gère, on n'est pas encore tombé, c'est plutôt pas mal. La moto a un petit peu bougé, ça fait un petit peu perdre du temps, mais bon. Voilà quoi. On essaie de prendre la même trajectoire que. Elle est bien leur trajectoire, j'ai tout le temps à prendre maintenant. Elle est plutôt pas mal. Oula! Heureusement que j'ai bien surprendre parce que sinon j'aurais peut-être tiré tout droit. Le petit crash des familles, tiens, on l'attendait. Normalement on perd pas trop, c'est bon. Bon, on est actuellement 11e. J'en étais sûr, j'allais me croûter dans un de ces virages-là, je le sentais depuis le début. Je les prenais trop mal. Alors, on va essayer de pousser un peu maintenant.
Ok, une petite sortie de piste là pour trois pilotes. Allez, bon, on est actuellement 11e, c'est un peu dommage là quand même, on était bien parti et tout. C'est quoi mon pilotage là? Qu'est-ce que je fais? Oula, la glisse et tout là que je fais. J'attaque, je suis énervé là. un petit peu fou d'afflelou. Wouah! J'ai eu peur que l'ulti me fonce dedans. Heureusement. Pardon, Siméon. Merci. Oh là là, Siméon! Putain! Simon, il m'a gêné, c'est ouf! Bon, on va terminer 20e, hein. J'aime pas trop en plus ce circuit, même si dans la dernière vidéo j'avais dit que j'aimais bien. Finalement, j'aime pas le croûtage. Non, c'est bon. Je roulais un peu en mode gros port, là, j'aime pas trop ce circuit du coup. De toute façon, en MotoGP, ça ira largement mieux parce que je me débrouille largement mieux, même si j'ai une moto pourrie. Je sais pas pourquoi, MotoGP, je roule largement mieux en MotoGP. Je sais pas, c'est. Yom! Oui! C'est le crash! Allez! bon, on a terminé combien? 22e, 23e? Parce que j'ai une des pénalités, hein, bien sûr, faut pas oublier. Normalement, 22e. 22e, on a terminé 22e, c'est propre, hein, c'est un très beau résultat, donc du coup, on a dû redescendre, non? On n'a pas bougé, c'est pas mal. Donc, par contre, on a perdu pas mal de points sur Rins. On a perdu 20 points au moins sur Rins, c'est dommage. Mais bon, Kalex, toujours premier au niveau, toujours premier au classement constructeur avec 303 points. Nous, on passe presque au niveau 63 et. On n'a toujours pas bougé en crédit presque et en fan non plus. Donc là, c'est quand même une petite déception parce que je m'attendais à arriver dans le top 5, mais j'ai eu une petite chute dommage. Hein, j'ai perdu l'avant de je ne sais où. Donc en MotoGP, c'est Marquez qui a remporté ce Grand Prix. En Moto3, c'est Quartararo. Donc alors, prochain Grand Prix, Motegi. Je pense que ça ira largement mieux, même si je doute quand même. J'ai un petit doute sur un virage. Fail et Paillolande aussi, j'ai un doute. Sepang, par contre, j'ai pas de doute. Et Valencia, je ne sais pas. Donc, je dis qu'il y a au moins minimum un Grand Prix que je vais gagner avant la fin de la saison. Minimum. Donc, j'espère que ce 14e Grand Prix, bon, un peu décevant, vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, liker, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, ce sera sûrement MotoGP ou FIFA, je ne sais pas. Un des deux. Ou une autre vidéo, on ne sait pas encore. Je ne sais pas encore. Alors, donc, je vous dis... A plus, salut !